Et bonjour à tous, c'est Trésa. Je suis très content de commencer une série de vidéos sur le jeu Ragnarok Online. Je vais plus expliquer comment je joue et ce que j'aime bien et quels ont été les changements du jeu plutôt que de vous le présenter, de vous faire un test ou quelque chose dans ce genre-là. Alors, je vais d'abord sélectionner un de mes persos et jouer tout en vous en parlant. Alors déjà, ici, je me trouve dans un donjon. J'utilise une potion, Awakening Potion, qui va augmenter ma vitesse d'attaque pour un temps limité, mais qui va durer quelques minutes quand même. Voilà. J'utilise ennemi, il y a un objet qui tombe, je le ramasse, j'ai gagné de l'expérience. Rien de plus que... Enfin, voilà, rien. C'est du classique jusqu'à présent. Je ne vais pas parler de l'aspect graphique du jeu, ça... Vous le voyez tout simplement. C'est un jeu qui date de 2001. C'est coréen. C'est beaucoup joué à l'international. Il y a des pays où le jeu marche beaucoup mieux que d'autres. Et en France, il a été joué il y a très longtemps. Après, je pense pas qu'il y a encore beaucoup. Il y a encore des gens qui y jouent, mais un nouveau joueur ne va pas forcément aller vers ce jeu-là. Qui a déjà quelques années, qui n'est pas du tout à la mode, mais il est vraiment excellent. Donc, Awakening Potion, papapapac. Liquide utilisé en médecine pour réveiller son consommateur, avec la vitesse d'attaque de son consommateur. Mais ici, niveau 40, voilà. Je suis niveau 75 de base et 39 en job. Ne peut pas être utilisé par les acolytes. Bah, il y a des restrictions. Cette potion ne peut pas être utilisée par acolytes, presque bard, dancer. Et il y a une potion qui est encore plus puissante, la berserk potion, qui s'utilise à partir du niveau, je ne sais plus si c'est 84 ou 85, je ne sais plus. Et bien celle-ci, la berserk potion, n'est pas utilisable par les assassins. Voilà. Elle est utilisable par les knight, crusader, je crois. Voilà, on se balade, on tue des monstres. Voilà. Mais comment, pourquoi j'ai joué à ce jeu? Depuis quand? Donc, j'ai joué la première fois 2002 ou 2003, je ne saurais pas dire exactement. Et j'ai tout de suite énormément joué et pendant longtemps. Pas forcément, j'ai pas forcément bien joué. Je joue principalement solo. Du coup, je joue des classes qui se jouent principalement solo, qui ne posent pas de problème de jouer assassin si vous avez un peu d'argent de côté pour acheter des choses qui vous permettent de jouer tout seul. Le jeu est plus intéressant à jouer en équipe, à plusieurs, mais ça n'a jamais été mon truc. J'ai essayé quelques fois. Je trouve ça plus contraignant qu'autre chose. C'est un jeu qui laisse énormément de liberté quant à ce que vous faites avec votre personnage. Vous voyez ici mon équipement et les statistiques. Les statistiques qu'on monte à chaque niveau. Voilà, Evil Druid, voilà. Donc, ce jeu, je reviens là-dessus. Ce jeu, j'y joue depuis 2002, 2003, 2001, je sais plus. Et j'y reviens régulièrement. Je vais pas le tuer parce que ce monstre-là, justement, à chaque fois que j'y joue à ce jeu, je vois apparaître de nouvelles choses que je ne sais pas pourquoi. Là, voici un monstre, Evil Druid, mais là, c'est la version illusive. Je vais pas tomber sur un monstre qui a un skin un peu plus grand que celui que vous connaissez et qui porte un petit diminutif à côté. C'est peut-être Furious quelque chose, Evil quelque chose. Et il a une espèce de halo lumineux autour de lui, au sol, à sa base. Donc, ce qui n'est pas le cas de ce monstre-là. Je ne sais pas pourquoi. Je sais que j'ai vu qu'ils sont plus résistants, ils sont plus loin à tuer. Ils rapportent plus d'expérience et il y en a un ou deux sur chaque map. Donc, mais je ne sais pas du tout. Je ne sais pas plus du tout. Je ne sais pas s'ils ont un drop différent ou quoi. J'en ai aucune idée. Donc, j'ai joué pas mal de temps sur plusieurs serveurs privés au départ. Maintenant, je suis sur l'officiel depuis quelques années. Et
j'y reviens de temps en temps. J'y reviens à peu près tous les 3 ans. Tous les 3 ans, quand c'est l'été, bah, c'est les vacances, 3 semaines ou un mois de vacances. Donc c'est là où j'ai du temps pour y jouer. Et souvent, bah, je re-télécharge le jeu et j'y rejoue. Pendant assez activement, intensivement, pendant plusieurs semaines. Et puis après, j'arrête. Et puis après, je reprends le jeu quelques années après. Donc je suis à l'époque où j'ai commencé. Il y avait les serveurs officiels, uniquement en anglais pour les Européens, et les serveurs privés qui pouvaient avoir des traductions. Les serveurs privés, ben, les serveurs. Alors là, j'ai oublié ici un truc up, donc je peux augmenter de mes capacités, mais là pour l'instant, je ne vais pas aller en détail sur quoi faire des skills d'assassin. J'ai rien, j'ai 3 points à mettre. Ça fait 3 niveaux que j'ai pas choisi dans quoi les mettre pour l'instant. Je verrai ça peut-être après. Pour l'instant, j'ai pas besoin de. Hop. Donc là, vous voyez que j'ai pas d'ennemis. Donc je me téléporte. Je me téléporte avec cet objet. Et sur la touche F3, je peux le déplacer. F6, F9. Vous pouvez avoir plusieurs barres. Ça, c'est la barre 1. Vous pouvez en avoir plusieurs. Là, je mets une. Pour l'instant, ça me suffit largement. Vous voyez d'ailleurs que j'ai pas tout utilisé encore. Sinon, dans toutes les skills, vous pouvez aussi choisir. De vous en servir, ou sinon vous pouvez placer le skill ici. Voilà. Non, ça ne va pas. Ah, parce que là, je suis dans la partie où je sélectionnais des points. Des points attribués. Voilà. Vous pouvez mettre votre skill ici. Là. C'est très, 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 très simple. Ce que j'aime dans ce jeu, c'est la simplicité pour faire les choses. J'y joue depuis donc très longtemps. D'ailleurs, en regardant une vidéo qui présentait le jeu sur YouTube, la personne dit ce jeu, je fais pas beaucoup de dégâts, je sais pas ce qui se passe. Ah oui, d'accord, je me suis enchanté avec. Je me suis enchanté une de mes armes avec un élément poison, une spécificité des assassins. Du coup, l'élément poison, enfin l'élément feu, qui est à la base de mon équipement, cette épée, une épée de feu, voilà, enchantée par la magie, par l'élément feu, fait beaucoup plus de dégâts sur ces monstres qui sont de type ou de race, ou d'élément, je ne sais plus si c'est type ou race, voilà, undead. Et tout ce qui est élément feu, magie de feu ou arme ayant la propriété du feu, fait plus de dégâts sur ces monstres-là, sur ces monstres undead. Donc ça, l'aspect, quel monstre, ce monstre-là, quel élément, quelle arme j'utilise, etc., est extrêmement important. Extrêmement important pour jouer à ce jeu. Pas forcément au début, pas forcément quand on débute, mais surtout après. Parce qu'il y a beaucoup de différences en ce qui concerne la vie. Oui, donc, pourquoi j'y joue ? Bah, en même temps, je vous parle du jeu, évidemment. Nous sommes en 2017, c'est la vacance. Mais j'ai un déménagement à faire. Et je m'étais dit, le déménagement s'effectuant assez bien. Pendant que je me repose, je vais télécharger le jeu et y jouer. Sachant que j'ai téléchargé un jour avant de déménager complètement, donc d'emmener la box, bien sûr avec changement de box, de forfait, etc., ouverture, fermeture de ligne et tout le bordel. Donc je m'attendais à pouvoir y jouer une soirée, et puis après devoir attendre plusieurs semaines avant qu'Internet soit de nouveau fonctionnel dans le nouveau logement. Et mais ce n'a pas du tout été le cas. Après avoir fait tout ce qui était déménagement de ligne, et on avait reçu la nouvelle box, on ne l'avait pas encore installée, on l'installe 2 jours après avoir complètement déménagé, et là, Internet fonctionne tout de suite. On avait reçu les mails et SMS de confirmation comme quoi tout était ouvert, et ça nous est déjà arrivé, même après avoir reçu les mails, on attend quelques semaines avant qu'Internet soit complètement actif, et puis là ça n'a pas été le cas. Donc je suis dans mon nouveau logement, ça très bien, et je peux déjà jouer. Donc j'y rejoue. Voilà, à peu près tous les 2-3 ans, je me fais des sessions où je joue beaucoup. Et j'y joue pas toujours de la même façon.
Là, j'ai pas envie de me prendre la tête. Je joue un assassin. Un assassin, ça se pexe tout seul. C'est très facile. Ah, il faut connaître le jeu. C'est très facile si on connaît le jeu. C'est un jeu pas très évident pour les débutants. Ils ont, il y a quelques années, c'est là où on va venir avec un des points importants du jeu à connaître, c'est les serveurs privés. Et la différence avec les serveurs officiels. Parce que là, je me téléporte. Ouais, je suis sur une map qui est assez grande. Il n'y a pas d'ennemis. C'est quand j'avance, je me téléporte pour gagner du temps. Donc cet objet, je ne peux pas emporter non plus beaucoup. Il me reste 104. Parce que cet objet a un poids de 5. Et vous êtes limité dans le nombre d'objets. Pas dans le nombre d'objets que vous pouvez. Si vous êtes limité dans le nombre d'objets que vous pouvez porter, vous voyez tous les slots ici. Que ce soit des objets à utiliser, de l'équipement ou du. Comment on appelle ça déjà ? Dans le truc, etc. Là, des items que les monstres laissent tomber, que vous ne pouvez rien faire à part les vendre ou les utiliser suivant la classe que vous êtes. Voilà, il y a 4 Evil Druids ici. Donc, ça, je vais les tuer assez vite, donc ça va aller. J'ai pas eu le temps d'éviter ici sa magie. Là non plus. C'est pas ça, ne fait pas tant de dégâts que ça. Je rapproche l'écran pour y voir mieux. Alors, tu sais, un assassin, ça se joue très facilement tout seul, puisque vous cliquez sur l'ennemi, vous allez l'attaquer et votre personnage attaque jusqu'à toi qu'il n'utilise pas de skill. Pour l'instant, même si après, peut-être j'en utiliserai. Le skill, donc ça va être des attaques utilisant de la magie, des points de magie. Vous avez la barre verte ici, vos points de vie. Donc 3670 sur 4553. Et la barre bleue ici en dessous, ce sont vos points de magie. Donc on met 404 sur 424. Vous voyez ici, la petite barre 50%, poids supérieur à 50%. Voilà, je porte des objets. Ah voilà, je viens de le diminuer, donc ça c'est très bien. Comment j'ai fait pour diminuer le poids? J'ai utilisé des potions. Bah, les potions, elles pèsent 15. C'est pas 15 kilos, c'est, c'est 15. Voilà. Donc, suivant votre force, suivant votre force ici, strong, vous avez un poids qui est déterminé. Plus j'augmente ma force, ma strong, plus le poids que je peux porter sur moi augmente. Plus je suis costaud, plus je peux porter lourd, ce qui est évident. Donc jusqu'à présent, jusqu'à quand il y a peu, j'avais dépassé 50% de mon poids, du poids autorisé. Donc là, je suis à 49 parce que j'utilisais des potions. Donc du coup, en l'utilisant, je m'en débarrasse, j'en ai moins, j'ai moins de poids. Et j'ai pu faire disparaître le petit truc 50%. Tant que j'avais la petite fenêtre 50 ici, mes points de vie, points de mana n'étaient pas restaurés naturellement. C'est ce qui est marqué ici. À partir du moment où je suis descendu à 49, mes HP et SP, points de vie et points de magie, se sont restaurés naturellement. C'est-à-dire que tant que je suis à 50, j'utilise de la magie ou je perds des points de vie, je ne vais pas en récupérer. Alors que normalement, vous en récupérez tout seul. Vous récupérez plus de vie ou plus rapidement, je ne sais plus, pareil la magie, vous récupérez plus de magie ou plus rapidement, je ne sais plus non plus, suivant les stats que vous avez mis ici. Moi, en vitalité, qui est, pour simplifier, le nombre de points de vie que j'ai, je n'ai pas monté cette stat-là, et l'intelligence, je crois que je l'ai monté, mais c'est une erreur. J'ai dû ripper, parce que contrairement au skill, ici, quand j'utilise pour augmenter cette compétence-là, Sonic Blow, voilà, ici, ça, je dois valider le fait que j'utilise les skills, le poids de skill, pour ce que je viens de sélectionner. Mais je peux aussi ne pas le faire. Alors que pour les stats, c'est pas pareil. Pour les stats, il n'y a pas de confirmation à faire. Donc je pense que c'est ça qui est arrivé. Donc je vois pourquoi j'ai remonté l'intelligence. Donc en montant l'intelligence, j'augmente mon nombre de points de mana max. Et j'augmente aussi le nombre de points que je récupère, naturellement, bien sûr.
Donc, n'ayant pas un perso axé sur tout ce qui est les points de vie la défense, en jouant tout seul, j'utilise des potions pour soigner. Donc, il faut bien les porter. Surtout que là, il n'y a pas de ce genre d'objet s'achète avec des marchands, joueurs ou des PNJ, NPC. PNJ, personnage non joueur, PNC, c'est la même chose en anglais. Donc c'est vraiment un jeu que j'ai vraiment du plaisir, j'allais dire que j'ai du plaisir à jouer, mais ça fait un peu trop Kirby 54. C'est vraiment un jeu que j'adore. C'est le jeu sur lequel j'ai passé le plus d'heures dans ma vie, je pense. Oui, ça doit être ça. Et j'y joue encore. Il y a bien sûr des nouveautés à chaque fois, mais qui changent pas radicalement le jeu. Donc je peux là arrêter et rejouer dans 5, dans 10 ans, et je saurai toujours comment faire pour trouver les objets, les manips, etc. Les raccourcis, ce genre de choses. Je ne voudrais pas que cette vidéo soit trop longue, je ne vais pas rentrer dans les détails du tout. La prochaine vidéo expliquera sûrement les différences entre les serveurs officiels et privés. Là, c'était vraiment une petite vidéo d'introduction pour vous dire que je vais faire des vidéos sur ce jeu. Juste les vacances, j'en profite, je rapproche l'écran, voilà, il n'y a pas zoom de fou. Hein. Ça, encore une fois, ça peut être une différence entre les serveurs privés et officiels. Ça, c'est le serveur officiel français, européen. Donc, il y a des serveurs officiels européens, il y en a eu, je ne dis pas de bêtises, il y en a eu plusieurs. Pas quelque chose que je connais très très bien, mais il y a eu des diffusions, ce genre de choses. Donc là, c'est le serveur Chaos. Je dis Chaos comme dans South Park. Et vous le voyez au démarrage, de toute façon, vous affichez. Vous n'avez pas plusieurs serveurs disponibles. Attendez, il est là. Là, c'est le logiciel de capture. Ragnarok, Gravity, c'est le studio créateur. Donc c'est un, je ne l'ai pas dit encore, c'est un free-to-play. Il est free-to-play maintenant, ce n'a pas toujours été le cas. Vous ne voyez pas le mot de passe. Vous voyez l'identifiant, mais ça je m'en fous. Voilà, Chaos. Vous n'avez pas plusieurs serveurs, accès à plusieurs serveurs, quand vous connaissez, vous n'en avez qu'un seul. Il y a eu des fusions, etc. Il y a quelques persos, un Lord Knight, que je ne joue plus. Je l'ai joué je ne sais plus quand, la dernière fois que j'ai fait des sessions, c'était il y a 2 ou 3 ans. Et je ne sais plus du tout comment ça se joue. Je ne sais plus du tout. Je crois qu'il n'était même pas très fort. Un Rogue, c'est-à-dire un espèce de voleur amélioré, un espèce de un truand. Un marchand, ce qui est indispensable, c'est celui qui s'appelle Tetreza d'ailleurs. Un marchand qui vous permet de vendre des objets, surtout ça. Et un assassin qui est le dernier personnage que j'ai créé. Donc, Sidious, le nom ici, c'était mon nom principal quand je jouais. Brennex, c'est un nom n'importe quoi. Tetreza, c'est le nom pour tout ce qui est jeu sur YouTube, etc. Et là, je voulais qu'il y ait encore Sidious, donc je voulais un truc avant ou après qui fasse pas trop kikou. Donc j'ai mis MC pour Mac Sidious ou MC Sidious, c'est au choix. C'est pas très 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 important. Mais je voulais qu'il s'appelle Sidious, voilà. Donc, ce que vous voyez ici s'afficher quand vous connectez, c'est ça. XP 100%, drop rate 100%, pénalité de mort 100%. Le monstre que je tue là est le druide. D'ailleurs, je vais pouvoir vous montrer ça maintenant. J'ai vérifié. Voilà, on sort du jeu. Là, avec normalement, vous avez là une capture de tout l'écran. La souris ici est dans le jeu. J'ai une fenêtre du jeu. C'est pas le jeu en plein écran ici maintenant. C'est le plus pratique quand on fait des vidéos. Ma souris, quand je la déplace, elle reste dans le jeu. Elle sort pas du cadre. J'appuie sur le bouton Microsoft. Là, je peux sortir. Je peux aller dans le bureau ici et ouvrir des pages internet pour trouver 2 choses extrêmement intéressantes. RateMyServer.net, une base de données Ragnarok. Que ce soit les serveurs ou que ce soit tout ce qu'on peut trouver à l'intérieur du jeu. C'est ça qui est extrêmement plaisant.
vous tapez Evil. J'aurais pu taper Evil Druid, mais voilà, c'est pour vous montrer que vous n'avez pas besoin de tout marquer. Ça vous met tous les monstres du jeu dans lesquels vous avez Evil comme note dans le nom. Donc ici, voilà, mon Evil Druid, il est là. Alors, il y a plusieurs versions. Hein. Là, c'est une version sur quelle main vous pouvez le trouver, non à planter, etc., etc. Donc, c'est, il devait être à un moment donné répertorié parce qu'il faisait partie d'une quête, un event. Si vous savez pas ce que c'est un event, c'est un événement qui dure pour un temps limité avec des monstres que soit vous n'avez pas l'habitude de voir, soit que vous n'avez pas l'habitude de voir à l'endroit où ils sont d'habitude, et puis voilà, c'est pour ça qu'il est là. Et donc le monstre ici, Evil Druid, il est ici, vous voyez ses points de vie, son level, sa race, sa propriété, ce qui est très important. Le hit et flee, c'est quel point il faut pour le toucher. Enfin, ça c'est plutôt flee. Flee, c'est sa capacité d'esquive. En gros, c'est un nombre bien défini. Hit, c'est le nombre. C'est la capacité, c'est pour savoir si lui va vous toucher beaucoup. Enfin, bref. Tout un tas de choses. La façon dont il marche, etc. Le point de défense, que ce soit magique ou défense physique. Tout un tas de choses. Son expérience, ça c'est très important. Les lieux sur lesquels vous allez les trouver et le nombre. Avec, voilà, vous cliquez ici, vous avez une map. Ça c'est la map sur laquelle je suis. Sur la map, vous voyez le nombre de. Non, c'est pas celle où je suis. Parce que les ghouls, j'en ai pas. Ah, si, les ghouls, j'en ai vu. Si, c'est celle-ci où je suis. Donc sur la map, vous voyez les ennemis qui s'y trouvent et le nombre. 60 Evil Druid. Voilà. Je tue un monstre sur la map. Quelques secondes après, il va y avoir un autre Evil Druid qui va popper quelque part d'autre dans la map. Comme dans tout ce qui est RPG à base de mémo RPG plutôt, à base de map. Hop là. Donc je vous disais que ici vous voyez ses propriétés. Ici c'est les éléments et les dégâts que vont pouvoir le faire. Donc pour. Cette partie-là est déterminée par ce que vous voyez ici, la race et la propriété. Vous avez des tas de propriétés et de races différentes, même si ça reste très classique. Si votre ennemi est de race Undead, il sera de base plus sensible aux attaques de feu et Oli. Oli, c'est le sacré. Donc des magies ou des armes équipées d'éléments sacrés, voilà. Et le feu, c'est pareil. En plus d'être undead au niveau de la race, au niveau de ses propriétés, il est aussi undead. Donc il est vraiment que ça. C'est pas un démon, c'est pas un demi-humain, c'est pas autre chose. Il est undead en plus niveau 4. Donc undead niveau 4, ça veut dire que en plus de recevoir plus de dégâts d'une attaque de feu, il en reçoit le maximum, c'est-à-dire 200%. Et c'est la même chose pour l'autre monstre de la map. Donc c'est vraiment ça s'utilise vraiment très 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 facilement. Au début, quand j'ai commencé, il n'y avait pas cette base-là, il y en avait d'autres. Ou alors, elle n'était pas aussi complète, je ne sais plus trop. Donc, le vrai ici qui est sur la map, pourquoi il me met qu'il n'y en a que 5? C'est bizarre ça. Il a plus que 5 sur la map. C'est peut-être parce que je ne suis pas dans la bonne version. C'est pas grave, juste pour vous expliquer ça. Donc lui aussi, il est pareil. Undead de race, propriété, undead niveau 4. Donc pareil, il est extrêmement sensible aux attaques d'eau. Alors pourquoi d'eau? Je ne sais pas. Est-ce que les druides aussi? Les druides aussi. Bon, c'est peut-être la race undead qui a fait ça. Donc ça va être très 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 important. Ici, vous voyez en plus, c'est stats à lui, ça on s'en fout, et les objets qu'il va dropper. À 13% de chance, quand il meurt, il peut laisser tomber cet objet-là, Butterfly Wing, que j'utilise, qui vous sert à vous ramener à votre dernier point de sauvegarde, qui se trouve en ville, plus souvent, ou sinon à l'entrée d'un donjon. Parce qu'il y a un personnage très précis dans le jeu qui sert à sauvegarder votre progression. Là, un objet, il est là, Butterfly Wing. J'en ai beaucoup là, 18.
je n'ai pas besoin d'autant. Il vaut mieux en avoir sur soi et être sûr de toujours en avoir, parce que sinon vous n'avez aucun moyen de rentrer très rapidement. Il faudra y aller par vos, en marchant, rentrer en ville en marchant, c'est extrêmement chiant. Donc là, j'en ramasse beaucoup parce qu'il y a ce monstre, parce qu'il y a un drop à 13%, il me drop Butterfly Wing. Là, c'est pas le cas. Il tombe et après il disparaît. Ça, c'est des pièces. Le monstre est en morceaux, on va dire. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment extrêmement important pour jouer, savoir connaître les ennemis, où est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qui leur fait le plus de dégâts, qu'est-ce qu'ils drop, trouver les objets, etc. Donc, vous avez. Ça, c'est une base de données pour les monstres que j'utilise beaucoup. Vous avez aussi pour les objets, par exemple. Je vais taper. Non, pas Fly. Je vais le taper Wing, mais c'est pas grave. Masque ici. Bon, le masque n'est pas droppé par des ennemis. C'est un objet pour. Un objet pour un familier. Voilà. Butterfly Wing. Mais ça, c'est pas la classique. Il y a beaucoup d'objets, et depuis la dernière fois que j'ai joué, il y en a encore beaucoup plus. Donc voilà, Butterfly Wing, si quand vous cherchez un objet, vous pouvez voir qu'il est droppé à 13% par le Vraith, le monstre que je viens de tuer, 12% par Bloody Butterfly, etc. Donc extrêmement important. Suivant les serveurs sur lesquels vous jouez, avant de savoir si l'officiel, que vous voyez ici, pas l'officiel que vous voyez ici, c'est débile. L'officiel qui est ici, donc sur le que vous pouvez télécharger, vous savez les. On va retourner sur les hybrides. Vous voyez les points que vous gagnez quand vous tuez ce monstre sur un serveur officiel, base expérience. Sur d'autres serveurs, vous gagnez toujours la même chose. La même base, en tuant le même monstre, seulement l'expérience peut être multipliée. Suivant les serveurs, vous voyez, c'est ce qu'on voit ici. Server listing, low rate, mid rate, high rate. Super high rate. Donc c'est une base de données des serveurs disponibles. Sachant qu'il n'y en a qu'un seul officiel, enfin trois, il y a peut-être trois officiels, un au Japon, un en Europe, un aux États-Unis, ou 4, je sais pas trop exactement, ça doit être ça, voilà, pas plus. Et tout le reste sera des serveurs privés. L'avantage du serveur officiel, c'est que le serveur officiel, lui, ne ferme pas. Le serveur, il peut fermer un jour, hein, mais les serveurs privés, c'est géré par des particuliers, des gens qui aiment le jeu, évidemment, mais ils peuvent décider d'arrêter leur serveur, d'arrêter de s'en occuper du jour au lendemain. Ou Gravity, le créateur du jeu, qui détient les droits, etc., peut, entre guillemets, porter plainte pour faire fermer le serveur privé qui utilise illégalement les données du jeu. Et ça, dans le milieu des MMO, surtout de Ragnarok, il y a eu des périodes où vraiment Gravity, ça ne s'intéressait pas trop aux serveurs privés en France, je ne sais pas pour les autres pays, je ne sais pas du tout. Mais les serveurs privés en français, il y a eu une période où Gravity les faisait fermer à fond, surtout les plus gros. Surtout Dim Online, qui est le serveur sur lequel j'ai beaucoup joué et qui était vraiment excellent. Qui a apporté des améliorations dans le confort de jeu, on va dire. En plus d'avoir des rates plus grosses, donc ce monstre-là, vous le tuez, au lieu d'avoir 2890, vous aviez 3 fois cette expérience-là, vous la gagnez 3 fois plus, je crois que c'était 3 dim. Dream Midgar Online. Alors, il y a eu plusieurs serveurs qui se sont appelés dim, plusieurs serveurs qui se sont appelés Dream Midgar, mais il y en avait un seul qui était celui très réputé, très sympa. Donc, au moment où Gravity a décidé que qu'il mettait en place tout ce qu'il fallait pour que les joueurs français puissent jouer sur un serveur officiel avec une traduction française, etc., à ce moment-là, ils ont décidé de faire fermer les plus gros serveurs privés. Ce qui était bien dommage. Les améliorations de serveurs privés, les autres différences, j'en parlerai un peu plus tard. Là, je vais encore XP un petit peu.
Donc j'ai pas d'objectif précis. Ce truc-là, 100%, drop 100%, évidemment c'est l'officiel. C'est l'officiel si vous n'utilisez pas d'objet autre. Parce que c'est un free-to-play. Là, actuellement, c'est un free-to-play. Ça le restera, évidemment. Mais vous pouvez payer du vrai argent pour à obtenir un compte, ce qui s'appelle un compte premium. Je ne connais pas exactement tous les détails, ça ne m'intéresse pas. Mais vous payez pour une durée d'une semaine ou un mois. Deux semaines, je ne sais pas exactement. Je n'ai pas été voir du tout. Et vous pouvez avoir une XP et drop, etc. Augmenter plus que 100% si jamais vous avez payé pour l'objet qui le permet. Le compte, la version du compte qui le permet. Sachant que vous pouvez décider à n'importe quel moment, je pense. Je crois pas que ce soit la création du compte que vous choisissez si vous payez ou pas. Mais ça peut se faire n'importe quoi. Je ne l'ai pas vérifié, je ne le fais pas. Voilà. Donc j'ai pas d'objectif précis pour ce jeu en ce moment. J'ai pas décidé de ce que je fais après parce qu'il y a beaucoup d'évolutions à faire sur les personnages. C'est une grosse différence. Voilà, Evil Druid Illusive. Il y en a deux à côté. Alors ils sont pas. Ils sont peut-être un peu plus forts mais je le remarque pas. Ils ont surtout plus de points de vie, ça c'est. Je le remarque parce que les combats sont plus longs. Donc tant que j'ai des potions pour me soigner, des flywings pour me téléporter à l'endroit aléatoire de la map, et des birds of flywing pour rentrer chez moi, rentrer à la maison, au dernier point de sauvegarde en cas de coup dur, j'appuie dessus et je suis automatiquement téléporté. Donc je peux difficilement mourir. Voilà, il laisse tomber des wildfires, mais je vais la ramasser, parce que ça redonne un peu de vie. Red Gemstone, un objet que j'utilise pas, mais qui est utilisable pour certaines choses dans le jeu. Je voulais pas me prendre la tête en jouant, donc je fais un assassin. Je sais quoi faire avec. Je sais que j'ai pas besoin d'utiliser 30 000 skills à la seconde, d'appuyer sur tous les boutons pour tuer un monstre. C'est assez confortable. Il n'est pas forcément fragile vu qu'il a beaucoup d'agilité. L'agilité, ça vous permet d'attaquer rapidement un ennemi. Plus vous avez d'agilité, plus vous attaquez rapidement. Donc là, il a fait un sort. Là, ici, voilà, là, il m'attaque au corps à corps. Et vous voyez ce qui est écrit Miss. Ça veut dire que ma flee, ici, voilà, ma flee me permet d'éviter une grande partie de ses attaques, de ce monstre-là. Suivant un autre monstre, un monstre qui sera beaucoup plus fort, ça sera différent. Il m'a touché une fois, je crois, pour une attaque physique, je parle. Après, il m'a fait une magie, il m'a pris un peu de sa vie pour lui redonner à lui. Ça, je l'ai vu. Là, par contre, je ne peux pas l'éviter parce que la flee, l'agilité, etc., ne vous protège, n'augmente votre esquive que pour les attaques physiques. Donc, ce perso-là, je peux le laisser sur la map. Je peux, s'il n'y a pas d'ennemis autour, évidemment, c'est mieux. Je peux aller faire des recherches, etc. Donc, là, j'ai les écouteurs, j'entends si un monstre m'attaque. Et comme j'ai de l'agilité, je sais que c'est pas en 3 secondes qu'un monstre va venir et va pouvoir me tuer. Sauf si c'est un boss, évidemment. Il y a un boss qui traîne sur cette map-là. Je ne l'ai pas encore vu depuis hier. Donc bon, voilà. Je vais pas parler de ce site-là tout de suite. Je vais arrêter là pour cette vidéo. Il y a d'autres choses à parler, surtout le Renewal. Ça sera plus une comparaison de ce qui était le jeu avant et ce qui est maintenant le jeu après. Donc ça, c'est aussi très très intéressant. Je vais vous laisser là pour l'instant. Je vais poser mon petit perso. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.